C'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 2 pour ma semaine spéciale Noël, avec aujourd'hui la vidéo numéro 2. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nucléaire sur la map Slums, et j'étais donc à la M27 et c'était donc en domination hardcore. J'étais donc accompagné de Nitre Dark, donc une personne que je connais par rapport à mon lycée, donc il se reconnaîtra, donc une petite dédicace à lui au passage. Donc ça c'est pas des gameplays qui sont récents, c'est des gameplays qui sont restés dans mon disque dur parce que soit parce que il y avait Advanced Warfare qui était sorti, donc à ce moment ça c'était en fin de période ou de Ghost, quand j'en avais marre de jouer à Ghost, donc j'étais revenu faire un retour à l'ancienne, on peut appeler ça comme ça, sur Black Ops 2, et j'avais donc pu sortir quelques nucléaires. D'ailleurs la dernière nucléaire que je vous ai proposée sur Black Ops 2 il y a cela une semaine et quelques, et ben c'était dans cette période là où c'était la fin de Ghost avant d'arriver sur Advanced Warfare, pas une W3 mais Advanced Warfare, parce que voilà, j'en avais marre de Ghost, j'avais plus envie de jouer à Ghost tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui on va donc parler du stream qui aura lieu vendredi 27 décembre. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un stream et non un live tout simplement parce qu'aujourd'hui en fait, donc là aujourd'hui on est le lundi, 22 ou 23 décembre, non 22 décembre je crois, et j'ai donc fait des tests de stream. Donc après c'est à vous de voir, comme je vous le disais, mais je pense qu'on va faire un stream, ça sera beaucoup plus simple pour moi, ça m'évitera de faire un live maintenant parce qu'on commence à être tard pour faire un live pour vous l'upload vendredi. Donc voilà, donc ça sera un stream qui va durer environ 3 heures, de 20h à 23h, et les abonnés pourront venir s'ils veulent, vous pouvez venir à partir de 19h30 avec moi jouer. Donc tout d'abord il faudra donc me donner votre ID PSN et votre Skype, parce qu'on communiquera par Skype. Donc ça sera pas du facecam, je pense pas que je serai en facecam parce que ça va, sinon mon ordinateur va saturer, parce que je vais vous expliquer. En fait aujourd'hui j'ai donc testé un stream. Voilà, donc il y a des gens qui sont venus voir, des gens que je connaissais pas, des gens qui... Donc j'ai fait le stream, ça donc sur la plateforme Twitch, je pense que vous connaissez, la plateforme Twitch TV, qui est une plateforme plutôt pas mal, je trouve, et qui est assez simple à comprendre dès le début, donc c'est pour ça que je suis allé dessus, et puis voilà, c'est une plateforme assez populaire et assez connue et assez simple d'utilisation, donc voilà. Donc voilà, j'ai testé aujourd'hui un stream, voilà, j'ai été sur Advanced Warfare, voilà. Bon, les réglages sont pas excellents. Bon, c'est vrai que dans les menus, lorsque je lance le stream, c'est vrai que c'est super fluide. Par contre, c'est vrai que quand je suis en rush comme ça sur MW3, décidément, non idiot, c'est MW3 aujourd'hui qu'il faut que je parle ou quoi. Non, sur Advanced Warfare, on va dire. Et voilà, maintenant, je sais plus où j'en étais. Si sur Advanced Warfare, on va dire que quand je commence à rusher, bah, on va avoir l'image qui va saccader. Mais on m'a dit apparemment sur le stream que c'était pas très dérangeant. Ça, en fait, ça viendrait plus de mon ordinateur qui me fait croire que ça bug, et certains viewers m'ont dit que apparemment c'était largement agréable à regarder, même s'il y avait des fois des temps de lag, mais ça c'est normal, hein, c'est les aléas du direct, du live. C'est vrai qu'il n'y a que 30 secondes entre le moment où je joue et le moment où vous regardez. Je mets un petit décalage tout simplement pour éviter les joiners, qui peut-être s'il y aurait des joiners qui me regardent sur le stream et qui voudraient venir jouer avec moi sur... qui voudrait jouer contre moi lors du stream pour me casser mes séries, etc. Déjà que j'ai du mal à faire des séries tout simplement parce que lorsque je lance un stream, en fait, si vous voulez, le stream demande énormément de pêche, de patate à la connexion internet, parce que ça demande des ressources, hein. Faut quand même avoir de la connexion internet. Donc c'est pour ça aussi que c'est, faut absolument que le logiciel que j'ai qu'on utilise pour faire fonctionner le stream, qui est moi XSplit, il faut qu'il soit correctement configuré pour que la Livebox consomme le moins possible de connexion, et que l'image soit la plus fluide possible. Donc là je pense que mes réglages sont peut-être pas à l'optimum, mais sont bien améliorés quand même. Et donc voilà, donc ça sera du 360p en qualité, ce sera pas de la HD malheureusement, parce que j'ai, en fait ça pourrait être de la HD, mais il faudra en fait que j'ai un ordi plus puissant. C'est vrai que j'ai un Intel Core
j'ai que un Intel Core i3, donc c'est vraiment la base. Normalement, c'est même pas un ordinateur qui est fait pour le gaming, c'est même pas fait pour jouer à des jeux. Le seul jeu, je crois que je fais tourner dessus, ça va être Farming Simulator. Je crois que je vais faire tourner sur mon ordi. Donc c'est vrai que lui demander de faire un stream avec deux logiciels en même temps, d'abord la plateforme Twitch qui demande pas mal de ressources, plus XSplit qui demande aussi des ressources. Mais le truc qui demande le plus de patates, c'est quand même à la Livebox, c'est le transfert d'image de l'antenne, donc c'est Londres ou Amsterdam, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier, de MW3. Donc moi, la plateforme, ça va être Londres ou Amsterdam, un truc comme ça. Donc l'image doit être transférée sur l'antenne et l'antenne le ramène au serveur qui est donc moi le serveur de France, c'est la France quoi. Et donc du coup, pour ensuite la diffuser, donc il y a un décalage de 30 secondes, comme je vous le disais. Donc voilà, donc le stream il sera donc vendredi soir de 20h à 23h. Donc c'est pour ça que s'il y a des abonnés parmi donc des gens parmi vous qui regardent la vidéo, qui veulent participer au live, si vous voulez venir jouer avec moi vendredi soir, c'est vraiment un live tranquille, hein, on se prend pas la tête, franchement, ça va être vraiment cool. Ça va être un petit live délire, on va pouvoir rire, vous allez pouvoir aussi me poser des questions si vous voulez me connaître un peu plus, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si possible, peut-être faire après une mini FAQ après le stream, pourquoi pas en stream faire une petite FAQ rapide. Bon, je pense que vous serez pas beaucoup à venir voir le stream, mais je pense que ça en vaut le coup de venir le voir. Donc ça sera à partir de 20h, vous pouvez venir sur ma chaîne Twitch, donc qui est MrKalov29, c'est comme YouTube, vous tapez MrKalov29 sur Twitch et vous aurez ma chaîne. Donc vous pouvez aller vous abonner si jamais ça peut vous intéresser, des streams. Parce que je pense que je vais en faire régulièrement. Maintenant, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais peut-être pas sur Call of Duty, peut-être sur d'autres jeux que Call of Duty. Parce que c'est vrai que sur Call of Duty, ça me demande. En fait, ça me bouffe Blacko. Et donc, du coup, vous doutez bien qu'en multijoueur, c'est un peu la galère. Déjà que Advanced Warfare est difficile. Mais si en plus la connexion ne va pas avec, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est pour ça. Donc, peut-être en stream, faire des let's play. Que ce soit sur Far Cry 4 que je vais bientôt acquérir. Sur peut-être Assassin's Creed Unity aussi que je vais acquérir. Donc, tout ça en stream. Donc, c'est déjà. Ça serait pas mal, je pense. Après voilà, faut pas que non plus l'image soit dégueulasse à mort. C'est pour ça que j'espère que vendredi tout va bien se passer, que le live n'est pas non plus dégueulasse. C'est vrai qu'il y a une personne qui a quand même dit que ça laguait beaucoup, il y en a d'autres qui me disent que ça lague pas. Donc c'est vrai que s'il y en a chez qui ça marche bien et chez d'autres ça marche pas, c'est vrai que ça va être un peu embêtant. Mais voilà, donc voilà. Donc ce que je vous demande, parce qu'on fera peut-être en fait du old school si vous voulez, donc du retour aux sources, c'est-à-dire que je vais peut-être pas que faire du Advanced Warfare vendredi soir, peut-être que je vais faire du MW2, du MW3, du Black Ops 2, du Ghost. Et en fait, le but en fait dans les commentaires, pour ceux qui seraient intéressés pour jouer avec moi, déjà il faut être disponible vendredi soir de 20h à 23h. Donc ça c'est pas gagné. C'est vrai que c'est en un week-end qui est, je pense, assez pris pour les gens, parce que c'est entre Noël et le premier an, les gens sont en famille, donc c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait peut-être personne qui sera en stream. Bon, j'ai déjà une personne qui m'a regardé en stream aujourd'hui, qui serait d'accord déjà de faire de participer au stream de vendredi soir, donc pour que je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Hein. Donc après, si vraiment il y a beaucoup de monde, pourquoi pas faire tourner les gens tous les heures. C'est-à-dire, bon, je pense pas, c'est vrai que la dernière fois j'avais envisagé cette méthode-là, mais il n'y avait eu qu'un abonné qui était venu. Bon, c'est vrai que là, grâce au concours de Noël, ça faut pas que je le cache. Et d'ailleurs, je remercie amplement tous les gens qui participent à mon concours de Noël spécial Noël. Là. Je remercie amplement parce que c'est un concours qui marche plutôt bien. Les gens jouent bien le jeu, ils partagent bien, comme je l'ai dit. Et franchement, je crois qu'il n'y a aucune personne pour le moment qui a été mise sur la touche pour ne pas être tiré au sort. Je crois que tout le monde a respecté ce qu'il fallait. Mais bon, même si la question a mal été répondue, vous êtes quand même dans les bons chiffres, donc vous serez pris en compte. Hein. Je suis pas à une vidéo près. Le but c'est pas non plus de faire exprès de disqualifier certains juste pour une réponse. Voilà, vous avez partagé, vous êtes abonné, vous avez liké, vous avez partagé sur les réseaux sociaux. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà même très bien. Donc voilà, donc une petite parenthèse. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent venir me voir, il faut d'abord avoir une PlayStation de chez Sony, donc soit la PS3, soit la PS4. Et il faudra avoir Skype absolument, parce que Skype ça va être notre manière de faire la conversation que je vais enregistrer plus tard. Enfin non, je n'aurai pas besoin d'enregistrer vu qu'on sera pas en live, on sera en stream directement. Donc normalement, si on est sur Skype et que j'ai avec XSplit, j'ai un truc où je peux directement, si vous voulez, qu'on vous entende, moi et vous, sur le stream directement. Donc du coup, il n'y a pas besoin du Skype recorder. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et du coup,
Bah voilà, voilà, il suffit d'avoir la PS3 ou la PS4 parce qu'on ira aussi sur la PS3. On commencera sur MW3. En fait, on va commencer du Call of le plus ancien que j'ai. Donc, ce sera soit MW2, soit MW3. Mais je pense qu'on va commencer directement par MW3 tout simplement parce que MW2 il est injouable, c'est un truc de ouf. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo sur MW2 parce que c'est pas que j'ai pas voulu, c'est pas que je suis que j'ai pas tenté une nuque, c'est que j'y suis allé, pas allé du tout. Donc voilà, donc sur ce, je vous invite à mettre dans les commentaires votre idée PlayStation Network, donc votre pseudo PlayStation Network. Donc, par exemple, moi sur PlayStation 4, c'est Gis la Star. Donc voilà, donc vous mettez ça en commentaire et votre pseudo Skype. Comme ça, moi j'ajoute tout ça d'ici vendredi. Et du coup, bah, il faudrait être là vers 19h30 vendredi. Donc quand je vous ai envoyé une demande d'amis sur PS3 ou sur PS4, voilà, le but ça serait d'être là. Bah pour les coups ouais, de 19h30. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant laquelle vous regardez la vidéo. Et j'espère qu'on sera nombreux vendredi soir. Allez, sur ce, c'était Mister Call of. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.